Je vous parle d'un temps, et oui, un temps que les moins de 20, 30, 40, voire même les cinquantenaires ne peuvent pas connaître. Un temps que je remonte pour vous dans les archives de l'Indépendant. Je suis Denis Dupont, et suivez-moi dans ce que votre journal écrivait il y a si longtemps. Oui, je sais, le réveillon, c'est encore loin. Mais je ne résiste pas au plaisir de vous réveiller quelques souvenirs. Fermez les yeux. Nous sommes en 1974, demain c'est l'année nouvelle. Comment pouvons-nous passer cette nuit blanche? Voici quelques idées offertes par la page ou réveillonnée de l'Indépendant. Le Marisol d'abord, un Saint-Cyprien plage, cotillon et rondon jeune sans promis, avec la formation de Tony Brown. Au port, ce sera le Cupidon des deux soleils. Le Cupidon des deux soleils. Avec le traiteur Xavier Legrand. Amélie, pour les habitants du Val-d'Espie, rendez-vous au Papagayo qui propose un grand spectacle Garibamon Show. Il vous en coûtera 250 francs par personne. Toujours à Amélie, la Maison du Vin et la discothèque La Bodega proposent des barquettes de foie gras, des croûtes de langouste, de la truite en gelée, de la viande en hérisson. Je vous fais le tout pour 100 francs. À Cabestany, route de Saint-Nazaire, on trouvera à la Bouffothèque un repas avec langoustes et foie gras, cotillon en champagne, 150 francs. Les romantiques pourront s'installer au restaurant Laurent Sidjar à Ortafa qui promet un réveillon aux chandelles. Langoustes à la Moricaine, muscade à Rivesaltes et, précise la publicité, vin rouge à 13 degrés de 1970 à volonté. Pour l'ambiance, il est signalé qu'elle sera super stéréo. On aura droit aussi aux chandelles au restaurant du Berry, avenue de Gaulle à Perpignan. L'orchestre Les Batlises fera danser les convives. Le Novotel Route de Narbonne cède aussi à la tradition avec un menu à 150 francs. Attention, attention, vin et service 15% non compris. Le vin sera à partir de 15 francs, le champagne à 50 francs. L'avantage, c'est que l'on peut dormir sur place. En vrac avec le même type de soirée, souvenez-vous de la Rascasse à Canet, du Don Quichotte au Barcarès, des Mimosas à Argelès, du Tequila à Perpignan ou encore, toujours au Barcarès, le Loup de Mer. Sinon, il reste encore la pizzeria La Provençale à Poyestre, qui annonce de son côté ambiance intime. Tu parles, ça change. Allez, on sort les Pascal de dessous le matelas, on met sa plus belle chemise pelle à tarte et sa cravate en laine, madame enfile son col de fourrure et sa robe longue, et hop, tout le monde à la 404 et à Longuin chez Ginette. 75 sera une belle année. Et voilà, je vous ai parlé d'un temps. C'était un podcast produit par l'Indépendant et nous nous retrouverons bientôt dans ces archives intéressantes.